sauvons notre environnement. Je suis Senami et je vis quelque part en Afrique de l'Ouest, dans un pays appelé le Bénin, où il fait normalement bon vivre à travers nos différentes saisons de l'année. Malheureusement, depuis 2 ans, les saisons deviennent irrégulières. Le vent sec et froid attendu en Harmattan est remplacé par des jours très ensoleillés et une chaleur insoutenable. Cela affecte aussi les rendements agricoles qui ont connu une baisse drastique dans plusieurs endroits. Il devient très difficile pour moi d'acheter les aliments à des prix abordables. La saison des pluies attendue en mars apparaît en janvier. Les quantités de pluie attendues en juin doublent. L'eau se retrouve en pleine inondation et une grande partie des récoltes est détruite. Lors de ma visite au marché avec ma mère, le coût de la tomate et de l'oignon ont doublé car l'inondation avait détruit la moitié des récoltes. J'étais vraiment déçue et désorientée. Ces diverses situations ne s'observent pas seulement au Bénin, mais aussi dans plusieurs autres pays. L'avancée du désert au Niger, la sécheresse du lac Tchad, la baisse du lac Nokwe au Bénin. J'ai effectué une visite au lac où je pêchais du poisson en période crue et j'ai vraiment été déçue de me rendre compte de la baisse du niveau du lac. Je suis choquée de voir que quelques rares personnes s'y intéressent vraiment. Pour remédier à cet état de choses, j'ai décidé d'informer sur les manifestations du changement climatique et montrer que nous avons tous un rôle à jouer et sommes capables de protéger notre planète et de l'entretenir. Réalisons les actions qu'il faut en respectant les écosystèmes, en adoptant les techniques de production plus responsables, en évitant le gaspillage alimentaire et en faisant plus de reboisement.